Ça y est, vous êtes passé au travers. Chers finissants, chères finissantes, je vous adresse toutes mes félicitations. L'année que vous avez terminée n'a pas été de tout repos, mais vous avez été rien de moins qu'exceptionnelle. Je le dis bien franchement, si l'université a pu poursuivre son enseignement durant la pandémie, c'est aussi bien grâce au dévouement de vos professeurs que grâce à vous, à votre détermination, à votre ingéniosité, à votre grande patience aussi. Votre passage parmi nous me laisse un très fort sentiment de confiance en l'avenir. Vous êtes détenteurs et détentrices des idées qui changeront le monde, qui le rendra plus juste et plus durable. Et vous avez tout ce qu'il faut pour mettre ces idées en action et faire bouger notre société. Vous m'avez manqué, vous nous avez manqué, et j'ai très hâte de vous voir en personne pour vous remettre votre diplôme. Je vous donne donc rendez-vous à l'automne au Palais des Congrès, et je vous promets une grande fête, un moment de retrouvailles et d'intenses émotions. D'ici là, je vous souhaite un magnifique été. Portez-vous bien. À la prochaine. Chers finissants et finissantes, j'ai toujours pensé que c'est dans l'adversité que l'on apprend à se connaître et à connaître les autres. Au cours des derniers mois, je vous ai vu franchir bien des obstacles et relever des défis qui ont été uniques aux promotions 2020 et 2021. J'ai découvert en vous d'extraordinaires qualités, la force de caractère, la résilience dans l'apprentissage et la volonté de réussir en toutes circonstances. Vous m'avez grandement impressionné. Comptez sur moi pour être l'un de vos plus fiers ambassadeurs. Un monde plein d'espoir vous attend. Je vous souhaite d'y trouver votre place et d'y réaliser vos plus grandes aspirations. Merci d'avoir partagé une partie de votre vie avec nous. Bravo et bonne chance pour la suite. Chères finissantes, chers finissants, vous avez travaillé fort pour ce diplôme que vous recevrez bientôt et je suis heureuse de pouvoir saluer vos efforts et le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Moi aussi, j'ai fréquenté l'Université de Montréal il y a plus de 20 ans déjà, mais je me souviens encore du plaisir que j'ai eu à y étudier et du dynamisme de la vie de campus de cette prestigieuse institution. Je me souviens aussi du travail, du temps et des efforts qu'il a bien fallu déployer pour le décrocher, mon diplôme. Et pourtant, je réalise aujourd'hui à quel point la dernière année que vous avez vécue a dû être difficile. Vous avez dû composer avec de grands chamboulements en raison de la pandémie. Vous avez fait preuve d'une formidable capacité d'adaptation. Vous n'avez pas lâché, malgré les embûches, malgré le fait que vous avez été privé de plusieurs des habitudes habituelles de la vie étudiante. Aujourd'hui, avec ce diplôme universitaire en poche, vous rejoignez un marché du travail en pleine évolution. Votre bagage académique vous permettra de relever les défis et de profiter des nouvelles occasions qui s'offrent à vous. J'aime aussi croire que la résilience que vous avez démontrée pour triompher des obstacles au cours de la dernière année vous sera des plus utiles pour l'avenir. Alors, je vous dis bravo et je vous souhaite tout le succès du monde. Vous l'avez bien mérité. Bonjour tout le monde. Bravo à tous nos nouveaux diplômés de l'Université de Montréal. Bravo d'avoir persévéré malgré les difficultés de la pandémie. Je sais que l'enseignement à distance n'a pas toujours été facile et puis vous avez dû renoncer à une grande partie de la vie sur le campus. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de tous vos efforts pour combattre le virus. À travers tout ça, vous avez fait preuve d'une résilience exceptionnelle pour réussir vos études. Vous avez de quoi être fiers de vous autres. Maintenant, l'espoir est là avec la vaccination. Je vous invite d'ailleurs à aller vous faire vacciner. C'est le meilleur moyen pour retrouver notre liberté et c'est notre responsabilité aussi comme citoyens. Et puis, l'espoir est là pour l'après-pandémie. On a des grands défis devant nous, mais on a aussi des grandes occasions. On va avoir besoin de nos jeunes, on va avoir besoin de nos nouveaux diplômés pour bâtir votre Québec de demain. Donc, merci et bon été tout le monde. Bonjour à vous, finissantes et finissants de 2021. Bonne journée de remise des diplômes et félicitations, vous avez réussi.
Vous avez travaillé tellement fort pour vous rendre ici. J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, parce qu'il y a de quoi être fier. Pour bon nombre d'entre vous, cette dernière année a été extrêmement difficile. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous devriez être entouré de vos amis, de votre famille, de vos collègues de classe. Mais nous voici encore en mode virtuel. Malgré tout, vous avez tous et toutes fait preuve d'une force et d'une résilience hors de l'ordinaire, et ça, ça se fête. Que ce soit de trouver des façons ingénieuses de lutter contre la pandémie, d'aider des personnes dans le besoin, de terminer vos études en ligne ou de rester à la maison chaque vendredi soir, vous avez vraiment aidé à protéger votre communauté. Vous incarnez ce qu'il y a de meilleur en nous et vous nous avez montré la vraie nature des Canadiens qu'en période difficile ou devant les défis, on s'occupe les uns des autres et on mène les combats difficiles ensemble. Et grâce à vous, parce que vous nous avez montré l'exemple et vous avez surmonté des difficultés au cours d'une année comme on n'en voit qu'une fois dans une génération, j'ai jamais autant cru en l'avenir de ce pays. En ce moment, on a l'occasion de bâtir un pays meilleur, un pays qui en finit avec la COVID-19, un pays où l'économie fonctionne pour tout le monde et pas seulement pour les plus riches. Un pays qui lutte contre l'injustice et le racisme systémique pour que tout le monde ait une chance égale de réussir. Un pays qui agit pour le climat et pour que notre planète soit plus saine. Et un pays qui crée des occasions, de nouveaux emplois et de la croissance pour les jeunes Canadiennes et les jeunes Canadiens. Mais on ne pourra y arriver que si on le fait tous ensemble. Et pour ce faire, on a besoin de votre voix, de votre énergie et de vos idées. Vous devrez être les leaders d'aujourd'hui et non pas seulement ceux de demain. Je suis convaincu que, encore une fois, vous serez à la hauteur du défi. Mes amis, aujourd'hui, on ne fera pas que penser à l'avenir, on va aussi célébrer le moment présent. Je suis certain que vous avez beaucoup de projets et que vous imaginez déjà le prochain chapitre de votre vie. Mais c'est important de prendre un instant pour ressentir votre fierté. De la fierté pour ce que vous avez accompli afin d'obtenir votre diplôme. Et de la fierté pour chacune de vos réussites personnelles, chacune des leçons que vous avez tirées et chaque obstacle que vous avez surmonté en cours de route. Parce que les expériences que vous avez vécues ces dernières années vous seront bien utiles pour la suite des choses. Je tiens à vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays au cours de cette dernière année, mais merci aussi pour ce que vous ferez au cours des prochaines années. Je vous souhaite la meilleure des chances et j'ai bien hâte de voir toutes les choses extraordinaires que vous pourrez accomplir dans le prochain chapitre de votre vie. Encore une fois, félicitations à toutes les finissantes et finissants de 2021. Profitez bien de ce moment présent et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre avenir.
Chers étudiants, chères étudiantes, quelle journée resplendissante pour saluer et célébrer vos efforts soutenus. Aujourd'hui, c'est la consécration de 3 années d'études, dont la dernière, qui restera sans nul doute mémorable vu tous les défis que vous avez traversés. Vous tiendrez toujours une place particulière dans mon cœur, du fait que vous êtes notre promotion COVID. Je suis particulièrement fière de vos accomplissements. Je vous invite à conjuguer avec moi réussite, succès, détermination et surtout dépassement de soi, des mots à ancrer et à intégrer solidement dans votre nouvelle aventure. La fin de ce trimestre ne s'est pas terminée comme nous l'aurions voulu, mais les résolutions qui vous animent, les rêves qui vous bercent, la passion contagieuse qui vous caractérise sont bien vivants. Nourrissez-les toute votre vie. Car cette année a été différente, mais vous allez faire la différence. J'entends déjà une multitude d'idées qui fourmillent et qui se bousculent dans vos têtes pour bâtir le Québec de demain, qui fera face à quantité de nouveaux défis, de réalités sociales et économiques. En jouant votre rôle de bâtisseur et bâtisseuse, n'oubliez pas les valeurs qui unissent votre alma mater et notre communauté, soit la tolérance, la bienveillance, le respect et la rigueur. Pour terminer, je vous souhaite d'être inspiré et inspirant. Vous faites partie désormais de nos brillants ambassadeurs et ambassadrices qui vont poursuivre et perpétuer notre tradition d'excellence. Le monde s'ouvre à vous avec d'infinies possibilités de carrière et de perspectives. Avocat, notaire, journaliste, politicien, entrepreneur, comédien, professeur, pour n'en citer que certains. Je vous souhaite de trouver la voie qui vous permettra d'exprimer pleinement votre talent et de développer vos connaissances. Bacheliers, bachelières, futurs collègues, encore une fois, toutes mes félicitations les plus chaleureuses et merci beaucoup à toutes vos familles qui vous ont tant soutenues tout au long de ce parcours unique. Je vous souhaite une excellente saison estivale. Profitez du beau temps et de la nature pour vous ressourcer. Il me tarde de vous revoir au mois de décembre pour célébrer ensemble votre entrée dans cette nouvelle étape importante de votre vie. Mille bravo et à bientôt! Bonjour tout le monde, je m'appelle Issa et j'ai eu le privilège d'être le président de l'Association des étudiants en droit au premier cycle pour l'année 2020-2021. Tout d'abord, je tiens à féliciter personnellement chacune et chacun d'entre vous d'avoir complété vos études en droit. Malgré les circonstances et les obstacles sur notre chemin, qui se sont avérés assez exceptionnels avec la pandémie, nous avons réellement fait preuve de persévérance et surtout de résilience. Je crois qu'on est quand même nombreux à avoir été en droit pour changer les choses et ou pour faire avancer certaines causes qui nous tiennent à cœur. Après tout, le droit est couramment représenté dans la culture populaire comme un vecteur de changement social. Mais qui aurait cru qu'au final, un passage en droit allait avoir un plus grand impact sur nous? Je sais que ce n'est également pas tout le monde qui l'a eu facile durant ses études en droit, mais nous voici, finissants et finissantes en droit, et vous devriez en être fiers. Très peu de gens ont l'opportunité d'accomplir ce que vous avez réussi à faire, et c'est pourquoi il est important de se rappeler du privilège que nous avons d'avoir nos diplômes en poche. Donc, peu importe vos projets futurs, n'oubliez pas que vous avez la chance de redonner et de faire avancer les causes qui vous tiennent à cœur. Pour bien mettre fin à notre parcours, on se donne rendez-vous sans faute à notre collation des grades au mois de décembre prochain pour souligner notre travail acharné, notre dévouement, notre découverte de soi et notre succès, incluant celle de ma chère cohorte 2018-2021. À bientôt!